Salut tout le monde, c'est Steph59, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes ensemble pour une vidéo un petit peu spéciale. Nous allons faire la découverte de la Gigatrack. Alors je sais que c'est une piste qui est forcément attendue par la communauté. Tout le monde était impatient de la sortie. 5 éléments, si je dis pas de bêtises, différents sur la piste annoncée. Et un petit clin d'œil à la méga piste de Trial Evolution. Donc on va découvrir cette piste tout de suite, donc c'est parti. Ok, je confirme. Et on va la tester tout de suite. Oh, déjà les miniatures. Il y a de la lave et tout. Ah ouais. 28-2500. Bon, on va s'accrocher. Donc c'est parti. On va la tester. C'est parti. On prend la rhino recommandée. Et c'est parti. Alors je suis très très content de découvrir cette piste avec vous. Hâte de découvrir les environnements, les ambiances, les lignes de course et voir réellement ce qui nous attend. Un vrai moment découverte sur Trial Racing. Tip tip tiri pam 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 poudoudoup toudoudoudoup toup toudoup tou. Alors ça charge hein, forcément. Donc c'est parti. Go, c'est parti. Oh, on sort d'un bâtiment. Troisième CP. Oh, le volcan en arrière-plan là-bas. Magnifique. Wouhou. Wow, on est sur une sorte de chantier. Oh là là, la vue de profondeur. Magnifique. Plein de boue. Et oh là, j'étais un peu loin. Ça s'annonce vraiment super. Wouhou. On passe sur des camions bennes. Pour taper des chronos, il va falloir la tester plusieurs fois à mon avis. Là, on n'est pas pour le chrono, mais pour la découverte. Fou, gros saut. Oh là 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 là, c'est beau. Ça a vraiment le charme. Hein. Je me rappelle même sur Evolution, la gigapiste, mégapiste était vraiment phénoménale. Ah là, j'aurais dû passer au-dessus. Chouchou. C'est ça le problème, il y a des moments où on veut vraiment prendre la ligne de course bien, on connaît pas, on évite de faire les gros sauts. Et c'est la faute. Voilà, c'est de ma faute. Ah là 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 là. On passe dans des cerceaux de feu. Choupchou. Mon rider il est tout blanc. Il est tout blanc mon rider, il est plein de poussière. Welcome to Gigatrack. Hi-hi. Ah dommage.
Oh là 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 là. CP 22 déjà. 22 CP. Ah, j'ai pas pointé le CP. Pas grave, CP 24. J'ai du bol. Mais regardez la vue de profondeur sur la piste. Bon, faut grimper, grimper, grimper. Oh. Et nous voilà. Nouvel environnement, mon avis. Ah ouais, on est sur du futur. Oh, c'est beau ça. Oh, c'est joli. Ah. Wow, système planétaire. C'est magnifique. Et nous voici dans le désert. Ça passe, ça passe. Grosse accélération. On tente le gros saut. Je sais pas s'il fallait faire ça. On va trop loin. Ah non, ça passe. Oh là là, c'est beau. Franchement, c'est beau. Wow. C'est violent. On en prend plein les yeux. Regardez-moi ça. Ah, vue panoramique sur un gros saut, c'est beau. Wouhou! Gros, 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 gros saut! Ah, j'adore! Ah, j'ai dû plonger un peu plus loin. Franchement, ça envoie du steak! Comme dirait l'autre. Oh, moi j'aime bien. Franchement. Oh là là, regardez. Grosse vue sur le désert. Wouhou! Trop loin encore. Pas le shortcut, tant pis. Oh, petit passage sur l'avion. Il manquait l'avion. 46, CP 46. J'ai loupé le shortcut. Je suis vraiment un branquignol. Oui, je peux le dire, je suis un branquignol. CP 49. Alors, je sais pas combien il y aura de CP exactement, en sachant qu'on est déjà au 50. Les ambiances changent tellement là, on est déjà. C'est déjà une ambiance plus sombre. On est sur des rails à mon. Oh, le petit wagonnet. Oh, le petit wagonnet. On va arriver dans une sorte de grotte là, de mine. Oh, j'aime bien. Franchement, c'est beau. Oh, c'est beau. Wouhou. Alors, ça avait pensé à quelques passages de certaines pistes du solo, mais... Wouh. Oh, joli. Oh la lave, elle est magnifique. Moi qui aime la lave, franchement, vous le savez.
trouve ça super. CP60. Oh là 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 là, je vais être un peu court. Non, ça passe. Oh, joli. Joli, joli. J'ai cru que j'allais être court, mais non. Oh, la lave est chaude. Hein. Ça, c'est de la vraie lave. Ça n'a pas envie de se brûler. Wouhou! Grosse, grosse descente. Oh là là. Oh là là, c'est beau. Oh, tout de suite, beaucoup plus sombre. Oh là là, j'aime bien. Oh là là. Et nous voilà dans la neige. Ah dommage. Ah dommage. Petite accroche. Par contre, on s'est payé loin. C'est pas se rater cette fois. Oh, du chaud, on passe au froid, quoi. Yeah. Oh purée, on sait même plus par où il faut passer ici. Oh la glace. On est dans un glacier, les amis. Wouhou! Alors, pour ceux qui aiment vraiment les gros sauts, ils vont pouvoir se faire plaisir. Ah bah ouais, j'y ai cru, mais non. On est déjà 10 minutes, 11 minutes de ride. Et je sais même plus à combien de CP on est. 71. Ah, donc là. Oh là là. 72. Magnifique. Les ambiances sont belles. Les plans de vue sont énormes. Fouh ! Oh, les gros sons panoramiques comme ça, moi, je kiffe. Petit bonhomme de neige. Tchop, 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 tchop. Wow. Oh, j'ai eu de la chance. C'est vraiment passé pile poil. Sans le faire exprès, c'est vraiment la giga track. Wouhou! Un super taf, hein, franchement, là je suis fan. Après ça, froid, hein, la piste, je la connais pas. J'ai débloqué avec vous. Je veux vraiment la découvrir avec vous. Prendre à froid les ressentis. Et franchement, je suis pas déçu. Je suis pas déçu du tout de cette piste qui est vraiment magnifique. Ligne de course super intéressante avec des gros gros jumps. Ah bah ouais, ouais, je vais être trop court. Ça va, on est à 4 fautes. À froid, je trouve ça correct. Regardez la lune, comment elle est belle, jolie clair de lune.
le volcan en arrière-plan. Oh, le volcan, il est magnifique. Il est plus beau que celui... Ah, il est plus beau que celui que j'ai fait sur ma piste TCR Ulawa. Ah, mais c'est quoi ce délire, là? Ah, voilà. Fou. Ah ouais, hein. Et on continue de grimper, on est comme sur une sorte de climb, là. Il faut grimper, 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 grimper. Oh là 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 là. Mais je pense que c'est... Ah non, ça continue. Ah, je me suis fait avoir, je pensais que... Et là on part dans l'espace, on va où, quelque part? Et c'est une d'arrivée, je la fais en 15-0-715 à froid. Ah, je suis content. Je suis content, franchement. Pouh. Ah là là. Ah, je suis ravi. Petite médaille d'or à froid. Franchement, c'est correct. Oh là là. C'est magnifique. On va regarder vite fait le classement. Après, la piste vient juste de sortir. Hein. Je suis 109e mondial. Je suis 18e français. Sur les amis, je suis 4e. Et en Rhino, je suis 89e. Donc voilà. Donc bah très 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 content de cette piste, hein, que tout le monde attendait. Franchement, rien à dire. Que du positif. Je suis vraiment ravi de la Giga Track. Un beau petit clin d'œil à Trial Evolution. Et un super taf au niveau création de cette piste. Et j'ai pas fait gaffe au nombre de CP total réel. Je sais qu'on a dépassé les 77 CP, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc vraiment un gros boulot avec des ambiances de malade, des vues panoramiques sur les sauts. Il y a vraiment de tout. On peut vraiment se faire plaisir sur cette piste. Donc voilà. Donc c'était le spécial découverte de la Gigapi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à partager, à liker la vidéo, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez me retrouver sur YouTube, Facebook, sur le site... trialfrance.fr, un petit peu partout, hein. Insta, vous pouvez me retrouver sur tout. Donc n'hésitez pas à me laisser vos messages. Donc voilà, donc je vous souhaite une bonne fin de semaine, portez-vous bien, prenez soin de vous, et puis je vous dis à bientôt sur ma chaîne pour d'autres vidéos. Allez, bye bye.